Donc, il y a beaucoup de méthodes de résolution du monhalouba à la série Hari. Donc, on a préféré donc, une méthode assez simple, ou Mubashra, qui est ce qu'on appelle la méthode d'équivalence. Donc, on va essayer de trouver donc, un équivalent. Donc, on va essayer, puisque c'est une série à temps positif, donc on va essayer de trouver donc, un équivalent, donc une série V1. Donc, V1, l'étude Tahasahla, une série V1, donc Twon, Dirasan Tahat, une série donc qui est facile à étudier. Bon, pour faire ça, donc là, n sur n plus 1, le tout à la puissance n au carré. Donc nous avons, c'est simple, là, donc n, bon, rapidement, parce que c'est pas la peine, parce que là, surtout, comme les suites de fonctions. Donc ceci est égal à a, donc c'est l'exponentielle, c'est. Donc vous avez alpha à la puissance x, ou la x donc, à la puissance alpha. Donc ceci est égal à l'exponentielle. Donc exponentielle. On peut l'écrire est égal à e. E à la puissance. Donc n. Ah, mettre sur le tableau, s'il vous plaît, mettre sur le tableau. Il ne faut pas écrire sur le tableau. Donc là, c'est l'exponentielle. Donc là, c'est l'exponentielle donc de n2, n au carré. Multiplié par ln de n sur n plus 1. Allez, la fonction, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Bon, maintenant, jusqu'à l'exponentielle. Donc, on commence par trouver d'abord donc un équivalent à n2, donc n2 ln de n plus 1. Donc, la partie hadi. Donc, l'exponentielle, donc, l'exponentielle. Donc, on va trouver d'abord donc un équivalent. Donc, un équivalent de n2 multiplié par ln de n sur n plus 1. Bon, on connaît donc un équivalent à logarithme. Mais on connaît donc un équivalent à ln à 1 plus alpha. Donc, là, vous avez n sur n plus 1. Il faut essayer de l'écrire. Il faut essayer de l'écrire. 1 plus quelque chose avec le petit quelque chose l'insido hadaka l'insido parce qu'il y a qu'un inverse à dire donc regardez bien si on inverse donc Anna vous avez Alan vous avez donc Alan donc de n plus 1 sur n est égal à donc une comparaison à est égal à moins ln de n divisé par n plus 1 c'est-à-dire ln de n sur n plus 1 est égal à moins ln de n plus 1 sur n donc c'est l'inverse n plus 1 sur n ou n sur n plus 1 vous avez ln de 1 sur alpha égale à moins ln de alpha. Okay. Très bien. Donc, là, dans cet arc-là, donc, là, juste, donc, au lieu d'écrire, donc, il y a 21 personnes, donc, 0 Yoslo. Donc, au lieu d'écrire, là, donc, là, donc, le développement, donc, les équivalences, ln de n sur n plus 1. Donc, où je dois lire, donc, ln de n sur n plus 1 est égal à, donc, on a moins ln de n plus 1 divisé par n. Et ceci est égal à, donc, ceci est égal à, donc j'ai le droit en cassant. Ceci est égal à moins ln, donc, de n divisé par n, donc 1, où il y a 1 plus 1 sur 1. Donc, moins ln de 1 plus 1 sur 1. Et vous voyez bien, lorsque n devient très grand, le terme est à 1 sur 1, il est près de 0. Donc, exactement les conditions, tu as l'application, tu as développement limité, tu as la fonction logarithme, tu as 1 plus alpha, alpha le voisinage, tu as 0. Donc, bon, on a le développement limité d'ordre 2. Donc, l'outil où on a l'équivalent, donc là,
un développement limité d'ordre 2. Donc, j'ai un des Alan. Donc, 1 plus 1 sur 1 est égal à quoi? Donc, est égal à. Alan de 1 plus alpha est égal, donc le développement, est égal à alpha, donc est égal à alpha, moins donc 1 demi de alpha au carré. Moins 1 demi de alpha au carré. Donc, alpha en la x, qui m'a 1 plus x, ou 1 sur 1. Donc, ceci est égal à 1 sur 1. 1 sur 1. Donc, moins 1 demi. Donc, alpha au carré, x au carré, c'est-à-dire 1 sur 1 au carré. Plus 2, donc là, puisqu'on a un développement d'ordre 2, donc développement d'ordre 2, 1 sur 1 au carré, multiplié par epsilon, tu as 1 sur 1. Avec bien sûr la fonction AD, epsilon de 1 sur 1. Bon, s'il vous plaît, mettez-vous au tableau. Je vous tableau de Fawel. Donc, on a la possibilité. Je vous au tableau, je vous au tableau. Donc, on a la possibilité de partager. Donc, on a le partage. Voilà. Donc, regardez le tableau qui fait quelque chose. Donc, s'il vous plaît, donc, ne touchez pas le tableau. Donc, là, on va essayer, donc, donc, effacer. Voilà. On a effacé tous les dessins. Voilà, très bien. Est-ce que vous entendez? Donc, sautez aussi. Oui. Le tableau qui est bien, il est clair? Oui. Ah, très bien. Très bien. Donc, on termine. Donc, on a développement limité à l'un de 1 plus 1 sur 1, donc à l'ordre 2. On a 1 sur 1, on a x. X, donc vous avez l'un de 1 plus x égale à x moins 1 demi de x au carré. Plus x2 epsilon de x. Laissez-moi que le x tac qui le voisinage à 0. Justement, 1 qui est au petit là, 1 est très grand. Donc, vous avez 1 sur 1, il va être à 0. On a fait les conditions, les bonnes conditions. Donc, je multiplie par, on a la fonction, elle est à comme il y a. Donc, on dit moins. Voilà. Donc, on a, quand on multiplie par moins n2. Donc, on dit n2 multiplié par ln. Donc, nous avons fait moins n2. Donc, ça implique que. Donc, moins 1, 2. Donc, moins 1 au carré ln de 1 plus 1 sur 1. Donc, ceci est égal à. Donc, nous avons coulé, je fais moins 1, 2. Qu'est-ce que j'obtiens? Je ne sais pas. Donc, moins 1, 2. Où je dois aller? Vous l'avez. Vous l'avez moins. Vous l'avez moins 1. Monsieur? Oui. Qui fait un refnibli l'ordre 2? Parce que quand je me trouve à fois 1, 2. عاصني فهم فهم انا لوردر شوفوا لوردر لوردر انتم اللي تخيروه لوردر نعم كي نعملوا ان ديفلوبمون ليميتي دونك كنت قادر نهز لوردر 1 ولو بلو سامبل لوردر 1 نعمل لوردر 1 داكور مفهوم لي بوزي كيسيون ها كي نقول مفهوم قول لي مفهوم كنت قادر نعمل لوردر 1 برك هنا في الديفلوبمون ليميتي فوت تفهم القضيه هذه في الديفلوبمون ليميتي كان لوردر 1 يعطيني نتيجه ندير لوردر 1 كان لوردر 2 هنا نقول لكم على الاوردر ا ما يصلحش على بوركوا الاوردر ا ما يصلحش باسكو سي لو كون تحطوا الاوردر ا واش تمد لكم انا ان دو 1 بلس 1 سور 1 واش تمد مد 1 سور 1 1 سور 1 بلس 1 سور 1 ايبسيلون 1 سور 1 ايبسيلون اي بصح من بعدك تضربي في موان 2 راح من بعد راح نضربوا في موان 1 2 دونك فوزالي افوار اون فورم ديترميني واحده اخرى ليكيفالون اللي تحصلوا عليه ما يصلحش انا جربناها بالاوردر ا نتعاملوا 8 دو 8 دو لو ديغري ايكيفالون مش دو دوغري كي فالو انا نبداو تشوف الديفلوبمون نو باش اللي تساعدك باش ديجا تسامبليفي فوالا باش نلقاك شغل ابتزاز هو الهدف لو بوت نبداو بالسامبل نبداو بالاوردر ان كان الاوردر ان مدنا نتيجه عطانا ان ايكيفالون اللي باين ويعطينا النتيجه سي تري بيان دونك اون في با لوردر دو كان الاوردر ان ما صلحش نحوس على باسكو الهدف واش هي نخبركم الهدف هو نحوسوا نلقوا ان ايكيفالون تاع يو ان انت كي تلقى ان ايكيفالون تاع يو ان وتلقى عندك يو ان ديجا فيها مشكله دونك كاين ان بروبليم وفيها سويت تلقى اون سويت واحده اخرى بلو كومبليكي عليها دونك سي با لا بانت دونك ما درتش ان ايكيفالون سامبل لازم تلقى ان ايكيفالون سامبل في الديفلوبمون ليميتي دونك في لي سويت ولا في لي فونكسيون ولا نبداو بالاوردر البلو سامبل ا كان خرجنا ا نحب دونك سي تري بيان ما خرجناش ا نفوتو ل 2
هنا الان ما يخرجش انا نقولها لكم جربوه vous allez voir اللي vous allez voir une forme indéterminée تخرج لكم une forme indéterminée donc نفوتوا للدو دو ها عطانا donc qu'est-ce qu'on obtient واش يبقى معنا donc on obtient là donc واش يبقى في الاكسبرسيون هذه donc on obtient يبقى moins 1 من بعد plus plus 1 demi نضربوا في moins 2 plus 1 demi plus هنا واش يبقى الاخرى donc la dernière partie donc يبقى لنا plus epsilon à 1 sur 1. Voilà ce qu'on obtient. Il y a donc le développement, donc développement limité, tu as moins 1, 2, à 1 de 1, plus 1 sur 1. Bon. Nous avons la fonction U1, on fait comme, donc c'est... Bon, le temps est faute, donc bon, nous avons 10 minutes, on fait une autre connexion, on va faire un autre code, et on fait une autre connexion pour 40 minutes. Donc, voilà, donc il y a... هذا هو الانكونفينيون تاع زوم دونك بيتيتر نبدلو فا شونجي مسيو وي لا ديرنيير ماشي مو اكسيلون دو 1 سور 1 باسكو انا ملتيبلي بار مو 1 او كاري كيف شوف ديما تبوزي لو ميم كيستيون معليش نحط لك هنا داكور نحط لك مو اذا كان تساعدك نحط لك مو تري بيان السلام عليكم مسيو فو ميكوتي وي C'est Monsieur Hamoutin. Juste par rapport, rapport à Zoom, je vous conseille fortement Google Meet parce que je viens d'essayer, c'est très fluide. Voilà pour vous informer. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Allah inawarak. Bon courage. Ça, d'accord. On va la prochaine séance peut-être dire au Google Meet. Donc là, on va essayer de faire Google Meet. D'accord, très bien. Donc nous avons ici donc moins epsilon, toto epsilon 1 sur 1, ou la moins epsilon 1 sur 1. Donc c'est la même chose parce que l'équivalent epsilon 1 sur 1 donc l'équivalent c'est la fonction polynomiale c'est la fonction polynomiale tu mets moins epsilon on a plus epsilon là je vais mettre plus epsilon 1 avec epsilon 1 égale moins epsilon 1 donc c'est la même chose donc là c'est exactement la même chose bon la fonction est à nous quelle fonction on a l'exponentielle on a 1 sur 1 plus 1, c'est l'exponentielle de la fonction c'est-à-dire moins 1, 2, ln de 1 plus 1 sur 1. Donc, là, il faut passer. Donc, on passe l'exponentielle. Il ne faut surtout pas, maintenant, rajouter directement l'équivalent. Il ne faut pas passer l'équivalent. Maintenant, l'équivalent, c'est quoi? On a dit l'équivalent. L'équivalent, c'est quoi? J'attends la réponse, s'il vous plaît. J'ai mal entendu la question. L'équivalent à moins 1, 2, ln 1 plus 1 sur 1. C'est quoi l'équivalent à moins 1 plus 1 demi. Ce n'est pas moins 1. Alors, le polynôme. Le polynôme, on a. Ah, le polynôme. On fait comme, si vous avez, parce qu'il faut taffer le cadre, si vous avez, on a une fonction f de x, développement limité est égal à un polynôme Pn de x plus maintenant x à la puissance n epsilon de x. Il est quelqu'un qui l'ordre 1 ou la 2 ou la 3, mais qui est le développement limité, l'équivalent à f ou la un qui m'a dit, exactement la Pn. C'est exactement ça. Donc là, il faut savoir qu'il y a un développement limité. La partie polynomiale, tu as développement limité, c'est ça l'équivalent à la fonction f de x. Donc on cherche. D'accord? Bon, là, donc, l'équivalent à moins 1, 2, ln, à 1 plus 1 sur 1, donc c'est moins 1 plus 1 demi. Mais là, c'est pas maintenant qu'on prend l'équivalent, parce qu'on a l'exponentielle. Il ne faut, pas oublier, donc il faut d'abord passer à l'exponentielle. Donc, on obtient l'exponentielle, il faut tout l'exponentielle, rapidement. Donc, exponentielle de moins 1, 2, ln de 1 plus 1 sur 1. Donc, est égal à, donc c'est l'exponentielle de ta d'acoula, donc c'est le produit des exponentielles. Donc, c'est égal à exponentielle de moins 1, multiplié par, donc, exponentielle de e à la puissance, donc on a 1 demi, multiplié par e, donc on a exponentielle, de la fonction epsilon 1. D'accord? C'est le produit entre les trois exponentielles.
هذا من هنا دونك شوفوا مليح هنا من لا فورمول هذه نجم نخرج جو بو سورتي ليكيفالون تاع لا فور تاع يو ان هي سا سي يو ان سا سي يو ان واش هي ليكيفالون ليكيفالون هو هذا دونك ريغاردي بيان شوفوا مليح عا نكتبوا ليكيفالون نبحث عليه تاع يو ان هو هذا c'est-à-dire c'est exponentiel de moins 1 multiplié par e à la puissance 1/2. Pourquoi? Parce que c'est très simple. Donc là, vous avez donc là pourquoi ça? Donc je fais le rapport. Elle est la fonction pardon exponentiel 1. Voilà, donc c'est ça. Pourquoi ça? Parce que Kinamel UN, QN. Parce que Kinamel, je fais UN, UN Kassama, UN, je la divise par, elle dit Samma VN. Pardon, Samma, VN. Samma, exponentielle de moins 1 multiplié par E à la puissance 1/2. Samma, la partie R, c'est ma V1. Je fais le rapport U1 divisé par V1. Est égal à quoi? Est égal à exponentielle, ta wa, ta epsilon 1 de 1 sur 1. Maintenant, je passe à la limite. Limite de U1 divisé par V1, parce que 1 tend vers l'infini, est égal à quoi? Est égal à limite à exponentielle ta epsilon 1 de 1 sur 1. Ceci est égal à quoi? Vous avez la fonction R, le reste là, epsilon 1, il va tendre vers, parce que 1 tend vers l'infini, il va tendre vers 0. Le reste là, par définition, tu as développement limité, il va tendre vers 0. Donc ça veut dire que l'exponentiel, il va tendre vers 1. Donc la limite, elle est égale à 1. Out, epsilon 1, c'est le reste de développement limité. Il tend vers 0, parce que 1 tend vers l'infini. Donc il tend vers 0. Donc maintenant, l'exponentiel est une fonction continue. Donc elle va tendre vers 1. Et finalement, donc la limite θ U1 sur Vn est égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire limite de U1 sur Vn est égale à 1? Ceci implique que au voisinage, donc la suite de 1, elle est équivalente à la suite Vn. Au voisinage de l'infini. Allez, dites l'équivalent. L'équivalent, c'est aller. Donc pour étudier. Donc, l'équivalent de Haus Ali, donc tu as la suite UN, il y a donc c'est quoi? Donc VN, là, avec VN est égal à. Donc, là, est égal à. C'est quoi VN? Il y a exponentielle de moins 1. Donc, on a E à la puissance. E à la puissance moins 1. Donc, c'est bien qui nous donne. E à la puissance moins 1. C'est exponentielle de moins 1 multiplié par e à la puissance n demi multiplié par e à la puissance n demi. Oui. Qui donne le rapport? Posez la question. Le rapport qui donne le rapport UN sur V1. Oui. L'UN, on a exponentiel. On a l'expo. Exponentiel. Là. Yeah, bien sûr. Parce que UN, c'est l'exponentiel. La suite, Anna. Je vais me dire. UN, c'est quoi? C'est l'exponentiel. UN, c'est quoi? Ah pardon, j'ai mis là. UN, UN c'est, ah on écrit UN tana, UN, on écrit là. On écrit là au billet. Nous avons n sur n plus 1, le tout à la puissance n2, c'est l'exponentielle. Il y a e à la puissance n2 ln n plus 1. Donc il y a un équivalent donc ln moins n2 ln sur n plus 1 sur n, il y a un équivalent de développement limité. Donc maintenant, pour trouver U1, il faut passer à l'exponentielle. Tu aimes l'exponentielle? D'accord?
D'accord. Vous trouvez U1, là, je vais vous donner l'exponentielle. L'exponentielle, tu as le mutatériale. L'exponentielle, donc, vous allez trouver, donc, l'exponentielle, donc, limite à U1 divisé par V1 ou Chia. V1 est la partie A, c'est ma développement limité, elle est la partie sommita. V1. Lorsque je fais le rapport, U1 divisé par V1, donc je trouve la limite égale à 1. Quelle est la définition de l'équivalence? Ça veut dire que U1 est équivalente à V1. V1 est la suite. E à la puissance moins 1 divisé par E à la puissance 1 demi. Je sais qu'on fait ça. هذه كيفاه نكتبها هذه واش هي هذه ايتيغال نكتبها ايتيغال ا نكتبها بشكل واحد اخر ايتيغال ا سي 1 sur e la puissance 1 دونك سي ايتيغال 1 sur e le taux à la puissance 1 on va faire Google Meet donc parce que هكذا parce qu'il faut il faut cocher les gens qui vont entrer donc ça va prendre beaucoup de temps donc ça va prendre beaucoup de temps donc on va cocher les gens qui vont entrer jusqu'à la séance de bon on est là bon bon s'il vous plaît les arf s'il vous plaît donc mon fadl kom من فضلكم دونك اللي يعرف باللي ما يقدرش يحافظ على السكوت في الحصه دونك الكيت 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 لوكور دونك الكيت دونك كان نحطوا لا فيديو دونك يتبعها دونك كل واحد بالظروف تاعو دونك ما نفسدوش الحصه كامله اجل اللي يقدر يوفر لنا السكات هذه حصه نتاع كوره حصه نورمال شكون رانا في لونفي دونك سيل فو بلي دونك اللي ما يقدرش يحافظ على السكوت تاع الحصه Donc, on a besoin de trouver une donc, ouais, je m'en suis, d'accord, grâce à la séance. Donc, s'il vous plaît, parce que le fait d'entendre ça, c'est dommage. C'est que les amis ont un débat, donc les amis ont donc un dialogue. C'est pas un monologue. Il y a quand même un truc là, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui parlent de la chose là. Ok, vous avez des sites, m'amarab les sites, les faits, les exercices corrigés ou très bien faits ou quelque chose. Mais quel est le problème? Il y a un BibMath, il y a un Exocet, il y a beaucoup de sites qui font beaucoup d'exercices corrigés. Mais le fait d'entendre les séances à Doma, la correction entre les exercices, donc, surtout chez les Kbir Mzelje, c'est les suites de fonctions, les séries de fonctions, les séries entières, donc il y a beaucoup de choses que les étudiants m'apprennent, donc les séances qui m'accueillent. Lorsque vous posez les questions, vous allez comprendre. Donc s'il vous plaît, donc les maîtres qui offrent la mettons tout ce que donc on n'a pas fait. Donc il y a un dialogue. Sinon, le lombard, il y a un واحد, on l'arrive, je peux connaître facilement ce que le dialogue dit dans le hasse. Donc on a خلاص من la liste. Donc s'il vous plaît, نقصوا الحس. Bon, est-ce que vous entendez? Oui, monsieur. D'accord. Ah, très bien. Donc on continue la séance, on continue l'exercice là. Donc où est-ce donc oui, monsieur. Le calcul les derniers là, le calcul qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a trouvé? Vous voyez bien que on a trouvé que la suite à la U1, elle est équivalente à la suite. Quelle suite? La suite est la suite 1 sur E, 1 sur E à la puissance 1, multiplié par E à la puissance 1 demi. Multiplié par E à la puissance. C'est quoi la suite? Géométrique. Donc, on a 1 sur E. Vous avez bien 1 sur E. On a 1 sur E. Donc, il est donc positif. Donc, inférieur à 1. Vous avez multiplié inférieur à 1. Donc, vous avez E à la puissance, c'est une constante. Donc, ça veut dire que la suite V1. Donc, la série convergente. La suite. Donc, on a. Convergente. Voilà, donc on a dit on a un donc pardon, on a un voilà. Donc nous avons démontré que la suite à U1 est équivalente à donc on a 1 sur E le taux à la puissance 1 multiplié par donc on a E à la puissance demi. Or, elle est égale à V1. Or, somme, la série V1 est convergente. Donc, la série Tana, puisqu'elle est équivalente, elle est aussi convergente. Voilà, donc,
C'est ce qu'il faut savoir dans l'exercice ça. Donc, on passe rapidement. On va passer. Bon, est-ce que tu as beau. Parce que maintenant, je suis en train de donc, je vais vous dire donc, parce qu'il y a une fois, on ne peut pas. Donc, l'Ahsen, je vous dis, l'Ahsen, vous les exercices à vous. Donc, vous faites un effort. Vous, il faut faire un effort. Je vais dire au concours, parce que le but, c'est pour faire un concours. Il faut que tu résolves vos exercices. Vous vous cassez la tête. Même si vous avez la solution, allez. Mais qu'est-ce que ça va l'exercice avec? Parce que quand les étudiants ont des solutions, donc quelques tuyaux, donc ils arrivent à résoudre l'exercice. Le fait que tu as l'exercice, tu as la méthode de résolution. C'est le fait. Mais fait, c'est le fait. Il y a un sujet qui m'a dit, on a un sujet, on a les exercices, on a un fait. Il faut faire les exercices. Il faut essayer de faire. Ces exercices. Il faut essayer de faire ces exercices. Bon, mais nous avons une autre, donc on a la série numéro 4. Donc la série numéro 4, il y a, donc c'est, il y a somme d'allié, donc il y a somme d'allié, avec le terme UN, là, UN, est égal à, donc est égal à, de la puissance 1 sur 1, moins A, moins B sur 1. Voilà. Donc, la série, donc, nous avons ça. Donc, nous allons voir, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande pour quelle valeur de A et B, pour quelle valeur de A et B, donc, cette série, donc, peut-être qu'on est convergente, peut-être qu'on est divergente, etc. Bon. Là, qu'est-ce qu'on remarque là? Qu'est-ce qu'on remarque là? C'est que, allez, je m'occupe pas de ce que donc. Bon, là, kif la même chose. Donc, on peut effectuer donc un développement limité. Donc, on peut effectuer donc. Je crois qu'il m'a regardé la série interne. E à la puissance 1 sur 1, moins a moins b sur 1. Voilà, moins a moins b sur 1. Donc, nous avons là, on va faire développement limité inter e à la puissance 1 sur 1. Donc, donc e rapidement. Donc, est égal à. Donc, on va faire l'ordre 2. L'ordre 2. Tu vois, là, vous voyez bien que lorsque 1 tend vers l'infini, 1 sur 1, donc, on va faire le voisinage à 0. Donc, on peut faire le voisinage à 0. Donc, parce que E puissance X, qui développe un développement, on dirait le voisinage de 0. Donc, on a 1 sur 1, lorsque 1 est bien à classe, donc, il fait le voisinage à 0. Donc, on obtient, est égal à E puissance X, c'est quoi? C'est 1 plus X. Plus x2 sur factoriel 2, plus x3 sur factoriel 2. Plus x2 sur 2. Donc, on obtient 1 plus, on a l'ordre 2, plus donc 1 sur 1, plus x, plus 1 sur, donc on a 1 sur n2, c'est-à-dire on a un rebond factoriel 2, donc on a 2n2, plus 1 sur, donc on a n2, epsilon, on a 1 sur 1. Avec, bien sûr, epsilon, on a tend vers 0, quand 1 tend vers l'infini. Là donc, maintenant on a la différence, donc je fais la différence, epsilon t'as 1 sur 1 moins a moins b sur 1. Moins a b sur 1, donc qu'est-ce qu'on obtient? Terme constant, je vais le dire. Terme constant, terme constant. Terme constant. Donc, on obtient, donc on a moins a, moins a. Donc on obtient là, pardon. Terme constant, donc on obtient 1 moins, donc 1, moins A, à la terme constant. Donc le terme libado, plus 1 sur 1, moins B sur 1. Plus, donc le reste, là, plus 1 sur 2, N2, plus, donc le reste, 1 sur 1, 2, epsilon 2, de 1. Voilà. Donc, ceci est égal à quoi? Donc, Nektiba est égal, égal, donc 1 moins A, donc terme l'oul, 1 moins A, plus, donc 1 moins B, 1 moins B. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui, pardon. Epsilon, c'est Nektiba, donc maintenant, je fais l'hassab, c'est Nektiba. Nektiba, bien sûr. C'est-à-dire, tu écris développement limité, il faut écrire la formule correcte. Bah, qui te fout l'équivalence, n'a pas l'epsilon. Bien sûr.
ce sont des maths, ce sont des maths. Donc les maths, ouais. Vous correctement. Parce qu'un des maths, c'est équivalent. Sur l'âme. Ok, monsieur. Monsieur, c'est moi le reste, le ménage, monsieur. Le l'âme. Goûte le reste, le ménage. C'est ma texte, c'est ma texte. Goûte le reste, le reste, le ménage. Le reste, le ménage, le reste, le ménage. Je vais l'écrire, 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 je vais l'écrire. Plus, l'écrire, je vais l'écrire, 1 sur 1, 2, epsilon, t'as 1 sur 1. Voilà. Hadia, c'est E à la puissance 1 sur 1, moins A, moins B sur 1. How développement limite in taha. Développement limite in taha. Donc, intellectual min 1. Donc, on va discuter. On va discuter suivant les valeurs. Suivant les valeurs de Chauvenac. Hadia, c'est U1. Hadia, c'est U1. C'est U1 égale. U1 égale. Bon, il y a la limite. Bon, n'abdab la condition nécessaire. Regardez bien. N'abdab la condition nécessaire de convergence. Où est-ce que B n'égale pas. Il faut égal à 1. Voilà, il faut que U1 tend vers 0. Donc 1 tend vers l'infini. Il y a des conditions nécessaires. Donc là, la limite, qu'est-ce qu'elle nous donne la limite là? Limite. Le système de développement limité. Lorsque 1 tend vers l'infini, il est égal à quoi? Égal. Je sais pas quand il le reste est tendu vers 0. Donc il y a pas, il fallait 1 moins A. Donc nous dirons condition à l'autre. Égal à 0. Donc la condition A est égal à 1. A est égal à 0. Donc là, on va si A est différent de 1, elle est divergente. La série interne est divergente. Voilà, la série de 1 est divergente. La conclusion l'oula. Donc, A est égal à 1. On va le bénir. A égal à 1. Tu peux être. Bon, mais ça, tu peux être la série interne convergente, tu peux être divergente. Bon, on va le bénir sur B. B, qu'est-ce A égal à 1. On est le cas l'oul. On est le cas l'oul. B, différent de 1. B, c'est le cas de 1. Regardez bien. Donc, je vais lire là. هنا A égale 1, donc UN وش تولي وش يبقى فيها UN égale A, donc 1 moins A tout égal à 0, tout égal à 1 moins B sur N. هنا B نتاعي B différent de B différent de 1 plus 1 sur 2N2 2N2 plus bien sûr 1 sur N2 epsilon par 1 sur le reste. Donc, rejet au même dénominateur, égal, je cherche l'équivalent, égal. Même dénominateur, c'est quoi? Donc, le même dénominateur, 2, 1, 2. Donc, je dois multiplier l'oul, n, multiplié par 1 moins 2, plus, hein, le tout divisé par 2, 1, 2. Plus, bien sûr, plus 1 sur 1, 2, epsilon. Donc, si A égale 1 et B différent de 1, UN, tout l'équivalent à quoi? Tout l'équivalent à quoi? Donc, équivalent à N multiplié par 1 moins B plus 1 divisé par 2N. Vas-y, Abel, nous avons l'équivalent à 1 sur 1 carré. Voilà, N, donc, on a un peu plus de temps. Donc, on a un moins B. 1 moins B plus 1 sur 2N. Tu allez A moins B, 1 moins B, divisé par 2N. Qui est le fait que tu as dit que tu as dit égal à dit que tu est égal à 1 moins B, c'est une constante. B différent de 1, divisé par 2, multiplié par 1 sur 1. Je serais comme la série Hadi. Divergente. La série harmonique, donc on a les divergents. Donc on a. Donc, on a la série 1 moins B divisé par 2 divisé par 1 sur 1, elle est divergente. Donc, ça implique que... Pour B est différente de 1.
انا في الكاب بي ديفيرون دو ان انا في الكاب بي ديفيرون دونك سون دو ان ديفيرجون troisième cas دركا maintenant a égal 1 et b égal 1 donc a égal b égal 1 et a égal 1 donc s'il vous plaît vous allez faire une division ou la porte regardez donc s'il vous plaît donc b égale 1 et a égale 1 donc b égale 1 et a égale 1 donc je suis là je suis qui connaît a égale 1 divergente là 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 on a a différent de 1 divergente monsieur qui connaît a différent de a de 1 b ou chicon b là quel que soit b quel que soit b ah quel que soit b quel que soit b ah n'écoute pas n'écoute pas n'écoute pas a différent de elle est divergente quel que soit quel que soit b pour tout b oh monsieur a ouvert le a ouvert le 1 ou حسبت ما كتبت لنا مع الاخر بلي ديفيرجونت ما فهمتش كيفاش شوف كان شوف عندنا كان الاول ا ديفيرون دو 1 ا ديفيرون دو 1 تهز لا سيري نتاعك ال ا نتاعك ديفيرون دو 1 لا سيري نتاعك اللي ديفيرجونت كل كو سوا بي دوزيام كا ايه فهمتها كل كونديسيون فهمتو بلي كاين نقطه ا ايغال 1 و بي ديفيرون دو 1 كاين دو كا ا ايغال 1 و بي ديفيرون دو 1 اللي ديفيرجونت اوسي ا ايغال 1 و بي ديفيرون دو 1 هذه على حطينا لازم تكون ا ايغال 1 باسكو ا ديفيرون ديفيرجونت لازم تكون ا ايغال 1 parce que tant que la condition nécessaire de convergence une série si une série la suite un m'a tendu vers 0 elle est divergente si elle tend vers 0 terme général elle tend vers 0 on sait pas mazal donc là tu لازم عندك تفتح الباب وتبدا تدرس la série تاعك تقدر تكون donc si la limite de un égale 0 la série peut être convergente et peut être divergente ça si un est différent de 0 donc la limite تاعها est différente de 0 elle est divergente automatiquement elle est divergente donc نحن a lorsque a égale 1, faites le bab, donc nous ouvre la porte. Donc on obtient donc la condition nécessaire est garantie. Nous donne tamko. B différent de 1, elle est divergente. Où est-ce qu'on a le cas l'autre ou a égale 1 et b égale. Monsieur. Oui. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Ah là, je suis divergente. Qu'on ouvre le 1 bien fini, tu as 0. Donc ma zone est mal à la bonne. Ça n'a pas la قلنا كي تعود ب كي تعود ا ايغال 1 و ب ديفيرون دو 1 و ان ايكيفالون كوا هاي لا سيري نتاعك هذه بي ان هذه لا سيري نتاعك بي ان ايكيفالون 1 سور 1 ايكيفالون هو 1 سور 1 ملتيبلي بار 1 سور 1 ديفيرجونت لا سيري 1 سور 1 ديفيرجونت لا سيري 1 سور 1 ما تقوليش انا ما تقولش تطوم ديفير 0 ما عندها حتى صوص تطوم ديفير 0 نتكلموا على سيري اذا كانت تقولي لا كيسيون كيما هذه ما تعرفش باللي ما 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 مش موالف بليزيكيفالونس هنا الطريقه باش ندرسوا اون سيري او ان نلقى لها ان ايكيفالون لازم يكون على تيرم بوزيتيف بيان سور نلقى لها ان ايكيفالون ليكيفالون تاعك اذا كان تعرف لا ناتور تاعو او ان و في ان عندهم لا ميم ناتور اذا كان في ان كونفرجونت سوم دي في ان مش في ان شوف لي بوزي لا كيسيون هذا او قاعد يخلط ما بين لا ليميت تاع لا سويت ولا كونفرجونس تاع لا سيري جوج حوايج ديفيرون بالك نحن مش نحوسوا على ليميت تاع فيان نعاود مش نحوسوا على ليميت تاع فيان او نحوسوا على لا سيري فيان لا سيري صوم تاع لي فيان بيان سور لازم فيان طون ديفير زيرو سينو لا سيري تاعك ماشي كونفرجونت مفهوم الكلام هذا ولا مش مفهوم سي كلير وي سي كلير بون اللي ما فهمش نزيد نعاودو ما كاين حتى مشكل اون بو ريكومونسي دونك نو زافون تروفي دونك هنا هذه لا سيري دونك صوم ان موان بي هذه كونستانت هذه ما تاثرش هذه ما عندها حتى قيمه هذه نكتبوها كا لا سيري كوم كا ملتيبلي بار ان سور ان سي اون سيري ديفيرجونت بيسك او ان ايكيفالون او تيرم جينيرال دو سيت سيري دونك صوم تاع او ان اي ديفيرجونت بون تروزيام كادر كا بي ايغال ان اي ايغال ان نرجعوا للتيرم تاعنا هنا ليكيفالونس واش يبقى لي في الاكسبرسيون لوسكو بي ايغال ان واش يبقى فيها لا سيري 1 سور 2 سور 2 الترم هذا الترم هذا الترم هذا واش يبقى فيه دونك بي قال دونك الترم هذا يسانول هذا الترم هذا يلفا سانولي دونك لا سيري يبقى فيها 1 سور 2 ان 2 2 ان دونك هذا تولي او ان مكتبه تولي او ان تولي او ان تولي ايكيفالون ا 1 سور دونك ان مكتبه ان دومي دو ان سور انفيرجون هذه دونك انا لا سيري هذه مكتبه دونك لا سيري
convergente parce que la somme k1 sur n au carré est convergente. Voilà, donc on a 1, 2, donc c'est une série qui est convergente. C'est la série somme 1 sur n alpha, la série de Riemann. Lorsque alpha, série de Riemann, voilà, lorsque alpha est strictement supérieur à 1, lorsque alpha est strictement supérieur à 1, la série est convergente. Lorsque alpha est inférieur ou égal à 1, elle est divergente. Donc on a par exemple 1 sur 1, racine carrée de 1, 1 sur 1, coulomb divergent. Ça, de n supérieur strictement à 1, il y a une série convergente. Donc elle est convergente, donc ceci implique que la série taille, somme, elle est un, elle est aussi convergente. تحبوا نلخصوا ليكزارسيس هذا نلخصوا فيه دونك اون فا باش نلخصوا باردون دونك نلخصوا في النقاط التاليه دونك لا سيري هذه الصوم تاع لي ان واش لقينا كاش كون تروفي دونك الصوم تاع لي ان لا سيري تاعنا دونك بروميي كا دونك عندنا ا ايغال 1 ا ديفيرون دو 1 باردون ا ديفيرون دو 1 و ب ابارتونون ا ار كيلكونك دونك لا سيري divergente. Direct. Parce que la limite de un est différente de 0. Limite de un, tout est différent de 0. 2. A égale 1. B différent de 1. B, il appartient à R, mais ça est différent de 1. Donc on a B appartient à R moins 1. R moins moins 1. Donc la série R égale 1. La série R, UN est divergente. Pourquoi? Parce que l'inabli UN équivalente à k fois 1 sur 1. Troisième cas, si a égale 1, la même chose, ou b égale 1, la série interne, la somme de l'un est convergente. Pourquoi? Parce que on a un, elle est équivalente à donc k fois 1 sur 1 sur 1 au carré. Allez, voilà ça. Donc ça, c'est le résumé de l'exercice. Voilà. Bon, si vous permettez, donc je vais passer l'exercice numéro 2. Donc l'exercice, c'est important ça. Les séries, elles sont simples par rapport aux suites de fonctions. Les séries, c'est très simple. Donc les suites de fonctions, on lui fait l'analyse, on fait tahlil, on fait khidma, on fait. Mais les séries, c'est simple. Bon, j'espère que vous avez fait clair les suites de fonctions. Donc on arrive à l'exercice. Donc l'exercice là, donc je vous montre. Donc voilà l'exercice numéro 2. Voilà. Donc, considérons la suite de fonctions f, fn de x égale nx à la puissance n ln de x, x appartenant à 0, 1, donc n supérieur égal à 1, et fn de 0 égale 0. Bon, la première question, démontrer que la suite fn converge simplement sur 0, 1, vers une fonction f qu'on précisera. On note g égale f moins fn, étudier les variations de g. Allez, vous voulez pourquoi après? Allez, on dit là, qu'il m'a en déduire que la suite fn ne converge pas uniformément vers f sur l'intervalle fermé 0, 1. On va faire l'exercice l'autre. La partie des cartes, c'est pour démontrer que 0, 1, mais 15 convergence uniforme. Mais ça, l'intervalle 0, a avec a, donc on a a, et qu'on a a, il appartient à 0, 1, la convergence uniforme. C'est un très bon exercice, exercice bleu, les suites de fonctions. Il vous permet donc, donc la notion de suite de fonctions, de suite de fonctions. Voilà. Donc, dans le cas, donc, est-ce que nous allons me suivre l'autre? Je ne sais pas. Donc, il est 1h26. Bon, si vous permettez, donc, on va faire un petit rappel. Chaque fois, voilà. Donc, on a exercice numéro 2, exercice solution. Donc, on a solution, exo 2. Bon, chaque fois, on dit un thème. Donc, on a créé une série numérique. Donc, sujet numéro 2, qu'on a fait comme un sujet numéro 2, on a fait comme encore d'autres séries, d'une autre nature. Donc, des séries, donc, par exemple, des séries alternées, des séries, donc, on a mis d'autres séries. Donc, on a créé une série numérique. Nous trouvons les suites de fonctions. Donc, Donc, c'est quoi une suite de fonctions? Donc, par exemple, nous avons besoin de Fn. Donc,
Donc ce sont des fonctions. Lorsqu'on fixe n, lorsque n fixe fn, ça va être marfa. Donc marfa mais un ensemble, par exemple, ça dépend. Donc un ensemble, un intervalle i à valeur dans R. Je m'en ai une suite de fonctions, c'est-à-dire c'est une suite où les éléments sont des fonctions. C'est-à-dire pour n fixé, vous allez trouver une fonction. Pour tout n fixé, n égale 1, vous allez trouver une fonction. F1. N égale 2, vous allez trouver une autre fonction. N égale 3, une autre fonction, etc. etc. Bon, quels sont les mefahims ? Les suites de fonctions, quels sont les mefahims qui sont très importantes. Donc, on a le mefahim, la convergence. La convergence simple. La convergence simple. Le mefahim thani, il n'est pas très important. Mais le mefahim, il est important. Convergence uniforme. Voilà. Les propriétés coulent, les suites ou les séries de fonctions. Fizos. Et la convergence uniforme. Bon, l'exercice, je vais vous expliquer, parce qu'il y en a qui ont un grand les étudiants, la méthode, comment démontrer qu'une suite de fonctions converge simplement, voilà comment elle converge uniformément. Bon, maintenant, qu'on vous dit. La convergence uniforme implique la convergence simple. C'est-à-dire, tout de suite, qui converge uniformément sur un ensemble, elle converge simplement dans cet ensemble. Mais la convergence uniforme implique convergence simple. Nous avons la convergence uniforme implique العكس غلط نقدر عاودك نمدو اكزامبل بعد نكزيرسي سامبل خلاص تقدر تكون سويت دو فونكسيون اي كونفيرج سامبلومون مي انا كونفيرج با يونيفورميمون دونك قبل ما تدرس هذه من دروك نتفاهموا عليها قبل ما تدرس لا كونفيرجونس يونيفورم لازم ساعه تدرس لا كونفيرجونس سامبل ما تقدرش تدرس لا كونفيرجونس يونيفورم ديريكتومون مش كيما لي سيري سي با كيما لي سيري في لي سويت دو فونكسيون il faut d'abord étudier la convergence simple تلقى la fonction vers laquelle la suite de fonction converge. بعد كي تلقى شكون نعبر لا فونكسيون ليميت ساعه تفوت المرحله الاخرى هي ديما ليزيرسيس كيما هذا اون كومونس دابور بار فو دوموندي اسكو لا سويت تاعك كونفيرجي سامبلومون فير اون فونكسيون اكسيتيرا ابري دونك اون فو دوموند اسكو يلا كونفيرجونس يونيفورم دونك هذا لي دو ايتاب كون سوي اون جينيرال بور ديمونتري لا كونفيرجونس بور ديمونتري لا كونفيرجونس تاع ان سويت دو فونكسيون بون. Qu'est-ce que c'est quoi? Nebdaou la convergence simple. Nebdaou la convergence. La convergence. Nebdaou la convergence simple. Qu'est-ce que ça veut dire une suite? Bon, nous avons les barres de l'abd. Donc, on a les FN kullas, quel que soit FN kullas, marfin, un intervalle I vers R. Quel que soit N. Qu'est-ce que ça veut dire que la suite FN ou la suite FN converge, voilà, converge simplement par F de X. La même couche F de X converge simplement sur qui voulons simplement où est la place à converger simplement. Les hadou l'intervalle lesquels fait la convergence simple. Elle a passé ta classe, c'est très simple. Ça veut dire que là, la convergence simple. Allez, disons voir que je dois amener la convergence simple. Qu'est-ce qu'on fixe? On fixe x. X fixe. X fixé. Fixé, il appartient à i, c'est un fixe. Qu'une fixe x. Bon, il reste à faire la fin de la hesse. Donc là, vous êtes là 5 minutes ou 10 minutes. Je considère tous les indiens fn de x. N il est varié. Où je dois aller là? N appartenant à n. Pour tout x fixé, où je dois aller fn de x, où je dois aller? Où je dois aller? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Un âme? Fx. Et tu veux une suite de nombres. Tu veux aller fn? Fn. Là, le mefahim, là. C'est une suite numérique. Tu veux aller une suite numérique, une suite de nombres. Tu veux aller une suite de nombres. Une suite de nombres. Donc, on a fait un graphique, je te fais un blé. Tu fais que la hadi? Vous voulez une suite numérique. Donc, là, regardez bien. Donc, là, on est sur. On est sur. Donc, je vais dessiner. Voilà.
Voilà. عندي دي فونكسيون regardez عندي par exemple عندي ها نصورهم دي فونكسيون en rouge عندي لا سويت الاولى supposons r i هو r ديسيني لا فونكسيون الاولى هذه f1 هذه supposons هذه f1 supposons بعد هذه f2 واحده اخرى f2 pour tout terme fixé j'obtiens une fonction بعد f3 etc etc donc f4 etc. Moi, je ne sais pas si le fog, mais la belle. Bon, la convergence simple, c'est quoi? C'est basé ta classe. Je vois graphiquement qui fait une belle. Je fixe X. Je fixe X. Je fixe X. Qu'est-ce que je dis? Je trace la droite. Regardez bien. Graphiquement, je trace la droite. Regardez. Je trace la droite. Donc, Y égale. Regardez la droite. Ah. Tracez la droite. Et je considère maintenant on chauffe les valeurs كلها ها هذه عندي هنا هذه هنا j'obtiens f هذه هنا c'est f1 de x f2 de x هنا c'est f2 de x بعد هذه هنا بالضبط c'est f3 de x بعد هنا f4 de x par exemple f4 de x f5 de x donc vous voyez vous obtenez lorsque un temps un varie من a حتى l'infini donc vous allez avoir une suite. La suite موجودة في la droite. Une suite de nombres. Bien sûr, il y a des nombres موجودين هنا, flax des y. Vous allez avoir une suite de nombres. Et bien, c'est simple. Il y a si, là, on dit que, madame, nous parlons de la suite. Nous avons un autre x. Nous avons x1 d'autre. Nous avons x1 d'autre. La même chose. Donc, je trace une droite. Je vais tracer la droite. Couleur 1 d'autre. Je trace une droite. La droite, on chauffe les valeurs. Donc, on a f1 de x, f2 de x, f3, f4, f4, etc. Bon, puisqu'il s'agit d'une suite, les suites à la benne, on a un front commun. Une suite, tu peux être convergente, tu peux être divergente. Tu peux être convergente, tu peux être divergente. Il est quand la suite, donc, on fixe x fixé. X fixé. Si. Bon. Un problème, je suis un peu pardon. Je vais parler, s'il vous plaît. Okay. Voilà, désactivé. Donc, X fixé. Donc, on a pour X fixé. X fixé. Fixé. X, il appartient à AI. Si la suite a dit Fn de X, donc elle est convergente, maintenant on dit que la suite Fn converge simplement sur I. Pour tout X appartenant à I, vous considérez la suite de nombre fn de x, quand il y a la suite comme elle est convergente, donc elle converge, x varie quand donc vous oubliez qu'il y a une convergence simple. On va un exemple, mais on va prendre un exemple très simple. Un exemple très simple. Je prends la suite fn avec fn, r, et n ou r quand. Vous allez la voir simplement. Donc avec là, fn de x est égal à, donc là est égal à 1 sur n multiplié par x. Voilà. Donc la suite elle est de fonction. Elle est la suite de fonction, je sais que là. Maintenant, je vous mets qui est fixé x, x appartenant à r, fixé, on dira direct. La suite, je vais te dire, 1 sur n, x. X, ما تهتموش بالإكس هذا استنومبر ثابت ما يأثرش في الاسويت دونك هنا نفكسيه نعتبره ينتمي الار بس نفكسيه دونك هذه الاسويت واش رايكم فيها عندي ليميت بور إكس فكسي واشكو أن طنر ينتمي نتاع أن شير أن متبليه بار إكس إتقال أكوا إتقال أصيرو دونك هنا سيكلار بور توت إكس دونك هنا بالديفينيشن سافو دير كو الاسويت أف أن تاي
هنا هنا pour tout x elle converge vers 0 donc elle converge simplement converge vers 0 quel que soit x voilà la mangul voilà converge simplement simplement vers 0 là vers f de x est égal à 0 vers f de x égal là égal à هذه لا فونكسيون هذه يسموها لا فونكسيون ليميت لا فونكسيون هذه اللي في الكلينه يسموها لا فونكسيون ليميت لا ليميت سامبل يسموها لا ليميت سامبل نتاع لا فونكسيون اف ان دونك حنا نشوفوها جرافيكمون باسكو نصوروها جرافيكمون باش من بعد لا كونفيرجونس يونيفورم فهموها مليح في ليكزومبل هذا بالذات اون فوا لا كونفيرجونس يونيفورم باسكو ليكزارسيس اللي ان بو كومبليكي ردوا بالكم ني با سامبل هذا ليكزارسيس اللي موجود عندنا لا سوليسيون تاعو ني با سامبل سامبل دونك هنا فيه شويه خدمه Donc, un exemple un peu simple, bah, une photo, une plus compliquée, l'exercice. Donc, je vois graphiquement, ça aura la suite de fonction. Graphiquement, je vais vous la suite de fonction. Donc, là, je vous dis, on va F1. F1 est égal à quoi? Je vais dire F1. 1. Non, pas 1. On va voir dans la fonction. F1 sur 1. Un sur x, c'est la fonction. La x. Et pour chaque n fixé, vous allez avoir une fonction. Donc, f1, il y a la fonction. Il y a la fonction. On va savoir la blague. Donc, c'est la fonction f de x égale x. Et on obtient une droite. Tout le monde est droite. La suite à la fonction. La suite à la fonction. Vous allez voir. Parce que 1 sur 1, c'est une constante. كامل دي دروات هذوما كامل كاع كلهم سون دي دروات كلهم دي دروات هذه اف 1 اف 2 راح تكون اف 2 دو اكس ايغال اكس سور 2 اكس سور 2 ان دومي دو اكس دونك راح تكون كيما هكا دونك ها اف 3 راح تكون دونك اكس سور 3 اكسيتيرا اكسيتيرا اف 4 دونك فوي بيان لوسكو شوفوا مليح لوسكو ان طون فير الانفيني اي باينه Donc, les fonctions de Makula, donc ils basculent vers l'axe D, basculent vers l'axe D, soit le côté A ou le côté gauche, vers l'axe D, l'axe des X. L'axe des X, donc c'est pour ça qu'on a pour tout X, on a la convergence, donc converger vers, pour tout X, on a la convergence vers la fonction nulle. La fonction nulle est à zéro. Bon, donc elle me faut la convergence uniforme. Bon, le temps, Inch'Allah la prochaine fois, donc on va essayer d'utiliser Google Meet, on va voir, peut-être un petit peu. Bon, hello l'exercice. On va essayer de. Bon, l'exercice. Monsieur, demain, à quelle heure? Madame? Demain, à quelle heure on va passer? Oui, demain, je ne connais pas demain, parce qu'il y a des temps en commun, les premières années aussi. Les premières années, on va être au moins, on va être au moins, on va être les prioritaires. Donc, oh, d'accord. Donc, on comme une journée à l'avance. Donc, à quel horaire? Donc, bon, la suite, Liana, l'exercice. Donc, elle converge vers zéro. On a comme résultat déjà. Essayez de démontrer qu'elle converge vers zéro. La convergence. Monsieur. Oui. Monsieur, c'est la première fois entre, s'il vous plaît, où est-ce qu'on a les exercices? Bon, on a comme les références. Très bien. Chauffe. C'est une référence, احسن ريفيرونس اللي تقدروا تخدموا عليها بس انا نقول لكم سي ديفيسيل تلقوا لا سوليسيون صار لا سوليسيون اكتبوها في سطر ما تفهمهاش تي فو با كومبروندر لا سوليسيون دونك بس معليش هو بيب مات دونك هنا دونك بيب مات هذه يوتيوب ولا سيت لا هذا شوف روح لجوجل